Niasingbe et Yadema, une des figures les plus controversées de l'actualité africaine. Ancien tirailleur de l'armée coloniale française, général, président du Togo depuis 34 ans, malgré 5 attentats, un crash d'avion et plusieurs coups d'État, il est le médiateur de la plupart des conflits qui ensanglantent la région. Pour les uns, il est l'archétype du dictateur militaire et Amnesty International l'accuse de crime contre l'humanité. Pour les autres, il incarne une Afrique à laquelle nous ne comprenons rien. Volonté, machin volontaire là. Engagé volontaire. De sa médaille, je suis tellement fier, pourquoi pas. Quand on dit que celui-ci est revenu de la guerre et qu'il est ancien combattant, tout le monde le respecte. Sérieusement. Être un soldat, être un soldat. Lomé, le 27 novembre 1952, mon capitaine, le vieux Gugus n'est pas du tout content lorsqu'il n'a pas vu sa poitrine porter la médaille à l'occasion du 11 novembre. Votre inoubliable caporal, Atikossé Christian. Lomé, le 17 juin 1954. Le sergent Bagana Salifou est en Indochine avec 37 gradés et tirailleurs y compris l'adjudant Faré Kandja, les sergents Chango Janvier, Ayam Chao, les tirailleurs Tchekou Kona et Yadema Etienne et bien d'autres. Avec les respects. Afrique du Nord, le 18 septembre 1957. Mon commandant et mon père, je viens respectueusement vous faire savoir d'urgence que je viens d'être débarqué à Alger et ensuite rassemblement de colonnes. Sergent Katori, 1er bataillon, 11e régiment d'infanterie coloniale. Tizi Ouzou, le 6 mai 1958. Nous venons d'apprendre que Katori Alon et Eyadema Etienne sont venus aussi en Afrique. Nous ne connaissons pas de quel côté ils sont. Les montagnes nous fatiguent beaucoup. 11 juin 1960. Mon patron, lieutenant-colonel, celle-ci pour vous dire que je suis débarqué depuis le 19 mai à Cotonou et le 9 juin, je suis arrivé au pays natal togolais. C'est la mort qui va nous séparer. Vous êtes mon second père. La France a bénéficié, si vous voulez, d'une force armée, enfin de tirailleurs, qu'on a appelés sénégalais, mais enfin, qui étaient des tirailleurs venant de tous les pays, qui a contribué à aider quand même puissamment dans les deux guerres mondiales, hein, la guerre de 14 et la guerre 39-45. Puis l'Indochine, tous avaient fait l'Indochine de toute manière, c'était des soldats de métier. Ils parlaient tous français quand ils étaient d'un pays à l'autre, mais selon les régions, ils se comprenaient mieux entre Sénégalais, Maliens, ou entre gens d'Afrique centrale. Ce que j'avais remarqué des Yadema, avant de faire plus connaissance avec lui, c'est qu'il était toujours à part des autres. Il était adjudant de compagnie, et moi j'étais son petit clairon. C'était un homme très courageux aussi. Mais c'était des gens, les gens du Nord, qui étaient plus aguerris, plus forts. Prenons l'exemple de Yadema. Yadema, c'est une force de la nature. C'est un géant là qui pratiquait d'ailleurs la boxe, la lutte. Et c'était des gens qui naturellement, si vous voulez, avaient physiquement les caractéristiques, les meilleures caractéristiques pour entrer dans l'armée. Thank you.
Jeunesse Bordy, la lutte, c'est notre héritage. La lutte, c'est notre propriété. Les traditions que nous ont léguées nos aïeux, ils n'appartiennent pas à nous de les faire disparaître. Vous êtes mes enfants et je dois vous dire la vérité. Même si vous n'étiez pas mes enfants, quand on aime quelqu'un, un ami, on lui dit la vérité. Vous n'avez pas vécu ma jeunesse. Vos papas ont vécu ma jeunesse. Ils m'ont connu. Ils savent bien ce que j'ai fait quand j'étais comme vous. Le chef canton actuel, plus un de ses frères, ils étaient deux. Pour la lutte, c'est eux qui faisaient la voix ici. Tous les enfants de Pierre. Et il n'y a que moi qui l'ai terrassé. Nous sommes au nord du Togo, en plein cœur du pays Kabyé, à Pia très exactement, le village natal du président Eyadema. Tous les ans, il vient assister à la finale des Evala, ces épreuves de lutte traditionnelles, précédées des rites de chasseurs qui marquent le passage dans la société des hommes de tout jeune Kabyé. Pour ce colosse, qui a été un de leurs plus grands champions, c'est une cérémonie essentielle dans laquelle il continue de puiser une large partie de sa légitimité. Tout a commencé un siècle plus tôt, lorsque les Allemands, partis en retard dans la course aux empires coloniaux, décident de s'y faire une place. En 1884, Nartigal, un de leurs explorateurs, débarque sur une plage du golfe de Guinée. Par une série de traités négociés avec les chefs locaux, il parvient à prendre le contrôle d'un étroit territoire coincé entre la colonie anglaise du Gold Coast et le Dahomey des Français. Puis il va l'étendre en profondeur vers le centre d'un continent qu'on imagine alors plein de promesses. Il l'appellera Togoland. En 1914, alliés britanniques et français chassent les Allemands du Togo et se partagent le pays. Les Anglais ne tarderont pas à annexer leur moitié de butin au Gold Coast, tandis que les Français obtiennent un mandat de la Société des Nations sur l'autre moitié. Le pays a peu de ressources, mais les Allemands y ont développé quelques infrastructures sur le littoral, dont Lomé devient la capitale. Les habitants de la côte profitent rapidement de cet essor, d'autant qu'ils étaient depuis longtemps au contact des commerçants et négriers européens. Seuls quelques missionnaires protestants et catholiques s'aventurent vers le nord, où ils évangélisent parmi une trentaine d'ethnies différentes, pour la plupart animistes. C'est sur ces populations que la République française, laïque et coloniale, va s'appuyer en recrutant, entre autres, des tirailleurs pour son armée. Au Togo, comme dans nombre de colonies, frontières artificielles, déséquilibres régionaux et télescopages culturels et religieux vont générer des ressentiments et des équivoques, lourds de conséquences pour l'avenir.